Cao & Co, l'usine familiale discrètement située dans une petite rue de Limoges, fabrique toutes les collections conçues par Jean-Charles de Castelbajac. L'entreprise est dirigée par sa mère, elle emploie une cinquantaine de personnes. Cao & Co réalise 82% de son chiffre d'affaires à l'exportation. Jean-Charles de Castelbajac dessine quelque 600 modèles par saison. Il crée aussi des accessoires, chaussures, cravates ou parfums, fabriqués sous licence par plusieurs partenaires. Lorsque nous avons rencontré le couturier dans son appartement parisien, il nous a reçus malgré une forte grippe. Le monde dans lequel vous vivez ne vous distance pas un peu des réalités quotidiennes? Non, parce que les réalités quotidiennes, mais disons ma vie, c'est dans les usines. Parce que ma vie, je passe 3 mois par sur 6 en Italie. Alors je prends l'avion le matin à 7h30, j'arrive directement, je ne vois rien de la beauté de Venise, de Padoue ou de Rome, et j'arrive dans une usine de 300 personnes, où je reste enfermé jusqu'au soir à 8h pour faire mes prototypes. Donc la vie réelle, je la connais. Et disons que j'ai un rapport très étroit avec les gens qui travaillent pour moi, parce que je sais que par exemple, dans mon usine à Limoges, si Denise qui monte mon modèle, ou Marie-Jeanne qui aide à le couper, ne l'ont pas compris, le modèle n'existera pas. Depuis 4 ans, j'ai de plus en plus d'entreprises qui travaillent pour moi. Vous vous sentez de plus en plus dépendant des entreprises. C'est-à-dire que vous vous dites, attention Jean-Charles, si ta collection est mauvaise, c'est 900 personnes qui n'auront plus de travail. Donc quelque part, vous avez quand même un sentiment de responsabilité et de culpabilité. Donc vous vous devez de faire quelque chose qui se tienne à un niveau et créatif et aussi commercial. Lorsque j'étais enfant, j'étais fasciné plutôt par l'histoire de France, par le dessin, par des choses très très différentes que la mode. Disons que la mode pour moi, ça a été une révélation progressive, puisque j'y suis venu que vers l'âge de 18 ans, tout en apprenant, et aussi, je dois dire, par les conseils de ma mère, qui, elle, travaillait déjà dans ce domaine. J'ai commencé à faire quelques dessins pour l'entreprise familiale de Limoges, quand j'avais 17 ans et demi, comme ça, pour gagner un peu d'argent de poche, en quelque sorte. Et je veux dire, ça m'amusait assez, mais je ne le faisais pas vraiment sérieusement. Et je me suis rapidement aperçu que c'était non seulement dessiner, mais apprendre un métier aussi en même temps. Donc j'ai décidé d'aller à Paris. Pourquoi Paris? Il faut absolument venir à Paris pour travailler dans la mode. Parce que je crois que Paris, dans le domaine de la mode mondiale, c'est un mythe. Et une réalité à la fois, c'est-à-dire qu'il y a les meilleurs ateliers au monde. Et ça, c'est une chose, je crois, par laquelle on doit passer. Lorsque je suis arrivé à Paris, j'ai commencé tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire que j'étais assistant dans plusieurs grandes maisons de couture. Et là, si vous voulez, pour pouvoir suivre un essayage, mon travail consistait à ramasser des épingles ou à préparer à tailler les crayons des créateurs, et ensuite on me permettait de suivre un essayage et on me permettait de faire quelques dessins. Mais parallèlement, à Limoges, ma mère m'avait déjà donné une chance qui était de pouvoir créer une collection. C'était en 68 et j'avais fait des vêtements découpés dans de l'herbe synthétique que j'avais acheté au bazar Mandonneau, où tout à un franc, et dans des nappes de toile tirée, dans des éléments tout à fait incongrus comme cela. Vous fabriquez vos vêtements à Limoges, pourtant vous ne les vendez pas. Pourquoi? Disons que ça, je crois que c'est une volonté, c'est un petit peu... c'était jusqu'ici pour conserver cette sorte de réserve. De réserve parce que... Limoges, pour moi, c'est tout à fait autre chose. Et disons que j'aime déambuler dans les rues de Limoges, j'aime flâner, j'aime... Je ne sais pas si j'aimerais soudain voir un événement au coin de la rue, je ne sais pas pourquoi.
À 32 ans, Jean-Charles de Castelbajac est l'un des 6 ou 7 jeunes créateurs de mode français. Il est sans doute plus connu à Paris, Rome ou Tokyo que chez lui en Limousin, où les vêtements qu'il crée et qui sont élaborés sur place ne sont pas vendus. Mais s'il passe une grande partie de son temps dans les capitales, françaises ou étrangères, il retrouve aussi souvent que possible sa maison, sa coquille, dit-il, nichée dans la campagne limousine. J'ai des souvenirs d'une enfance heureuse, oui, parce que ça peut paraître malheureux, mais j'ai fait 13 ans de pension, et finalement, la pension, ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai commencé par faire plusieurs années de pension et de collège en Normandie, et finalement, je suis devenu un limousin adoption en allant dans une pension qui s'appelle La Souterraine, qui est pas très loin d'ici. Et j'ai fini mes études dans une pension à Limoges, qui s'appelait Aux Anames. Et donc parfois je suis limousin d'adoption, puisque mes amis, pour la plupart, sont limousins. Et c'est des amis que j'ai, pour la plupart aussi, connus à l'école. Et disons que j'ai le souvenir de m'être beaucoup dépassé, puisque je suis né au Maroc, où mon père travaillait. Et bon, ensuite j'ai fait un trajet à travers toute la France pour finalement trouver mon attache définitive dans ce pays. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le limousin? C'est une source d'inspiration? Ah là, je dirais oui, parce que beaucoup de mes collections ont été inspirées par limousin, je pense encore beaucoup d'autres. C'est-à-dire, vous savez, ma mode, comme je vous le disais à Paris, est beaucoup influencée par les sentiments que je peux éprouver. Or, en limousin, par exemple, il m'est arrivé, en automne, de photographier avec un polaroïd le tapis de feuilles au sol, par exemple. Et à partir de cette photo, je reprenais toute la gamme de couleurs de ces feuilles mortes et j'arrivais à créer une gamme de couleurs pour ma collection. Ou même de redécouper les mêmes feuilles, mais en feutrine, d'en faire un manteau. Donc, si vous voulez, c'est une inspiration perpétuelle parce que, je ne sais pas, par exemple, le brouillard et la brume m'inspirent pour moi des vêtements un petit peu mystérieux. Que ce soit voir mes moutons, j'ai un amour éternel pour la laine. Ça peut paraître des choses primaires et complètement spontanées, mais je crois que c'est comme ça que je fonctionne. Et lorsqu'on a un temps comme aujourd'hui, c'est-à-dire un temps vraiment bleu avec ce vert très très intense, ça a quelque chose pour moi de magique, et vous me donneriez une feuille maintenant et je vous ferai un dessin.